C'est bon, j'ai terminé la programmation. Et toi, t'as fini de le construire? J'ai presque terminé, encore quelques petites retouches. C'est long, putain. En même temps, vu qu'on veut que ce soit une machine à tuer, c'est bon. Parfait, il est temps d'aller voir le projet Zig en action. Oh là là, il est magnifique! Là, je le démarre et hop là! Bonjour, mes maîtres. En quoi puis-je vous aider? Bonjour Zig. Tout ce que tu vas faire, c'est très simple là. Tu vas tuer tout ce qui se trouve sur son passage. Ne vous en faites pas, maître. Je tuerai tout le monde. Ne vous en faites pas. Dans la programmation, je lui ai inclus une cible. Pas besoin d'armes. Il va tout détruire en au moins un coup de scie. Ou en trois, je sais plus. Que dois-je faire pour ma première mission? Déjà, pour commencer, t'as qu'à juste nous suivre et ensuite je vais te dire ce que tu dois faire. Tu vas nous obéir qu'à nous et à personne d'autre. D'accord, mes maîtres. Oh. Mon bras est magnifique. Merci, maître. Ne t'en fais pas, maintenant, suis-nous. Que vais-je faire, maître? Pour commencer, nous allons tester ta scie et tu vas devoir détruire plusieurs choses. D'abord, commence par cette poubelle là-bas. D'accord, maître, ce sera fait, ne vous en faites pas. Adieu, saleté de poubelle. Ça y est, maître, je l'ai détruit. Bien joué ça. Maintenant, détruis le lampadaire qui est à côté de moi. D'accord, voilà, c'est bon. Maintenant, détruis celui qui est là-bas. D'accord, mais voilà, c'est fait. Alors, maître, comment je suis? Alors là, c'est vraiment super, Zig. Maintenant, va et détruis tout ce qui se trouve sur ton passage. D'accord, maître, vous n'allez pas être déçu, je vous le promets. Avant de partir, détruisons cette barrière. Tu es sûr, c'est une bonne idée, des trucs, Kimera? Oui, ne t'en fais pas. Bon, maintenant, il est temps d'aller à l'Institut Numérique comme le maître l'a demandé. Nous voilà enfin arrivés. Alors, Joey, tu te rappelles du plan? Oui, ne t'en fais pas. J'ai toujours le plan en tête. Ne t'en fais pas, Kimera. Bon, moi je vais essayer de te suivre discrètement. Je vais essayer de bien me cacher. D'accord? D'accord. Ne t'en fais pas. Joey est toujours sur le coup. Joey est l'infiltratrice. Allez, on y va. Oh bordel, pourquoi c'est toujours moi qui est obligé de faire la garde? Pourquoi c'est pas à Michael de faire ça? Eh oh, toi là! Qui va là? Bonjour, je me présente. Je suis Joey. Nouvelle recrue par Dr. Sloan. Sloan m'a rien dit. Et depuis quand vous êtes la nouvelle recrue? Depuis 2 jours. Parce que je suis un bon infiltrateur. J'ai réussi à arrêter beaucoup de bandits. Vous pouvez me faire confiance. Bien, maintenant, veuillez me suivre. Je vous emmène au projet de Sloan. Je sais pas si vous en a parlé. Non, il ne m'a pas en parlé. Il ne m'a pas en parlé. D'accord, suivez-moi. Parfait. Ça a marché. Bien joué, Joey. Suivez-moi. On n'est plus très loin. C'est bon. Ça y est. Je vous présente notre nouveau projet, Monsieur Joey. C'est mon Kimera. Je suis en train de mettre les données sur cette clé USB que tu m'as donnée. Ce projet sera bientôt terminé.
Mais ça va prendre au moins encore un ou deux mois avant de le finir. Merci pour la visite. Là, il faut que je rejoigne Sloane. Elle m'appelle là. Elle m'a envoyé un message. Restez encore un peu, s'il vous plaît. Je dois vous faire montrer aussi autre chose. C'est presque fini, Chimera. Plus que 10 secondes. Après le téléchargement. Après, j'aurai toutes les données. Téléchargement terminé. Vous avez toutes les données. Parfait. C'est bon, je les ai trouvées, Chimera. Bon, maintenant, je vais vous raccompagner, monsieur. Ah oui, monsieur le garde. Oui, monsieur Joey, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas un agent. Je suis une extraterrestre. Maintenant, vous allez faire tout ce que je dis. Non, c'est toi qui vas me suivre sans faire d'histoire, tu m'as compris? Bon, moi, il est temps que j'intervienne au plus vite. Meurs! Ah! Ah! Oh! Bien joué, Sakimera. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire. Toi, reste ici. Je vais ramener tout ça au général, ne t'en fais pas. En même temps, là, il y a une réunion entre généraux, là. Il n'y a que 2 généraux. Sur 7. Ne t'en fais pas. Je reviendrai plus vite. Allez, on file. Et tu me diras ce que Zig a fait. Je sens quelque chose tout près de moi. Je sens une force. Une force. La même que moi. Hein? Mais... Raz? J'allais taper Transit, mais non. Raz, tu vois ce que je vois? Oui, je vois. Je vois, merde. Bonjour. Tiens. Jones, ça va? Genesis du bunker? C'est toi? Non. Oui, c'est bien moi. J'ai réussi à le posséder. Bon, nous allons faire un duel entre Genesis. Raz, ne t'en fais pas. Vas-y. Je t'attends. Je vais t'éclater, mon très cher Jones. Allez, c'est parti! Ah, tu vas mourir, toi! J'en viens avec toi. Je vais m'occuper de toi. Il va mourir celui-là. Non! Il ne me reste plus grand chose comme balle. Non! Ah, bordel. Cette fois-ci, je ne vais t'éliminer, Jones. Non! Mon arme! Non! Bordel! Putain! Maintenant, nous allons faire un combat entre toi et moi! Tiens, Raz! Allez, finissons-en! Entre maître du cube! Je vais le tuer pour vous, maître! Tu es plutôt fort, Raz. Ouais. Tu as pris le masque et tu t'es transformé en ton... Oui, je me suis transformé en mon père et je suis plus puissant que lui désormais. Non, s'il te plaît, on peut trouver un autre arrangement. S'il te plaît. Bien. Pars. Pars très loin et que je ne te recroise plus. D'accord, tout ce que tu voudras. Au revoir. Mais vous entendrez parler de moi. Ah, relève-toi, Jones. Ça va? Oui, je vais bien. Bon, maintenant, il faut qu'on retrouve vite Midas et Julie. Allez, viens. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard, vite qu'on la retrouve.
Attends, mais regarde, mais c'est Captain. Vite, vous. J'ai retrouvé le soldat de l'hiver, mais elle m'a dit de plus jamais que je la recroise. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Elle a voulu me buter. Mais je lui ai dit, vas-y, fais-le. Et elle ne l'a pas fait. Je crois bien qu'elle n'est plus celle qu'elle a été. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce ne sont pas vos oignons. Je suis désolé. Mais là, j'ai un truc à faire. Allez, je vous dis à la prochaine et on se recroisera peut-être. Julie, va retrouver Raz et Transit. Ne t'en fais pas, moi je m'occupe de Captain. Il a l'air vraiment bizarre. Je vais le suivre. Toi, va rejoindre Raz et Genesi. D'accord, bonne chance de ton côté, papa. Bon, moi maintenant il faut vite que je les retrouve au plus vite. Oh putain, je suis en retard, j'espère qu'ils vont rien dire les autres généraux. Bonjour, salut les gars, ça va? Je m'excuse de mon retard, j'ai eu un petit problème sur la route. Salut Général Chimera 1. Justement, t'attendais. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton père est mort. L'un de nos généraux nous a quittés, on n'est plus que 6. Là on est 5, mais il y en a un autre. Il est parti faire quelque chose. Il a un projet à préparer. D'accord. Et du coup, c'est ici qu'on va faire la réunion? Non, c'est pas là. Mais dans la salle des prisons. C'est un bon endroit. Allez, on y va. Ça y est, on commence. Moi, avec mes gardes, ça va. En plus, là, notre grand projet est bientôt terminé. Oui, et aussi... Là, le vaisseau est en train d'avancer. Notre plan va bientôt marcher. Nous allons détruire Coral Castle. Notre plan est bientôt en marche. Nous allons détruire Coral Castle. Oui. Si seulement le grand maître était là. Comme ça, on aurait pu discuter avec le grand maître. Je suis là. Excusez-moi de mon retard. C'est moi qui pilotais le vaisseau. Maître, c'est vous. Ah, excusez-nous. Allez, on se prosterne devant le maître. Maître, je vais faire mon rapport. Nous avons commencé le projet Zig, et nous l'avons terminé avec Joey. Et maintenant, c'est devenu une machine à tuer. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle, maître. J'ai apporté les données de l'Institut Onirique. Joey s'est infiltré et se faire passer pour un agent de Sloan. Que quoi? Alors là, bravo! Tu as bien accompli ta mission, Chimera, Général 1. Et vous quatre, alors? Non, nous maîtres, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire, nous. D'accord, je vais vous laisser. Et aussi, du coup, repartez à vos missions. Donne-moi, Chimera, les données. D'accord, les voici, maître. Merci. Beaucoup, Chimera. Maintenant, allez-y. Continuez vos missions. Notre plan est bientôt terminé. Nous allons encore détruire quelque chose. Nous allons détruire Coral Castle. D'accord, on y va. Allez, on y va. Bon, les gars, à tout à l'heure. Maître, dites-nous s'il y a une nouvelle réunion. Moi, j'ai une mission très importante à faire. Bon, salut, camarade. Bon, moi, il est temps que j'y aille. Le grand projet va tout terminer. Je vais le faire avec le dernier général. Parfait. C'est bon. Il est toujours là. Putain, ça fait mal. Allez, j'y suis presque. Encore un petit peu plus de courage. Parfait. C'est ici que je vais l'amener. Heureusement qu'il m'a donné cette télécommande. Et c'est parti. Merci. Merci, Captain America, de m'avoir amené. Merci, grâce à cette télécommande. De rien, Maître Crâne Rouge. Ah, alors là, bravo pour votre télécommande. Elle est magnifique. Crâne Rouge? Mais c'est son ennemi juré, pourquoi? Oh non, c'est lui. Il l'a fait revivre, Captain. Ben voilà. Maintenant que je suis arrivé ici...
Il est temps pour moi de passer à l'action et nous allons régner sur ce monde. Captain America. Aïe, Hydra! Quoi? Mais c'est l'ennemi juré de Captain. Mais non, c'est lui qui l'a ramené. Bird, qu'est-ce que je fais? Mais non, pas déjà! Pas maintenant! Aïe, Hydra! Mais t'as entendu ce bruit? Oh oui, ça pue. Mais toi là, Midas! Maintenant, faites plus un pas, vous deux. Mais, Captain, pourquoi l'as-tu amené? Mais c'est ton ennemi juré. Non, maintenant, c'est mon maître. Aïe, Hydra! Non, je refuse de te recouvrir. Désolé, au revoir. Quoi, il m'a renvoyé la balle? Il faut vite que je file d'ici. Rattrapons-le, Captain America! Parfait, la tour. Elle a un truc de déportation, c'est parfait. Allez, allez, au revoir. Vite, dépêche-toi. Faut pas qu'il nous échappe. Quoi? Il a disparu! Non! Non, je suis désolé, maître. Mais ne vous en faites pas, je vais le rattraper. Ne vous en faites pas. Non, ne t'en fais pas. Grâce à mon pouvoir, je vais le retrouver avec ma lame de feu. Je vais envoyer du feu à sa recherche. Et il va essayer de trouver un corps où s'abriter. Et comme ça, il pourra tuer Midas. Vous êtes un génie, maître. Aïe, Hydra! Aïe, Hydra! Bon, allez, viens, on va se reposer un peu. Voilà, c'est bon, voilà qui est bien mieux. Ça y est, me voilà enfin arrivé chez les Avengers, ça fait longtemps. Il est temps d'aller voir Tony. Pourquoi tu m'as fait venir, Tony? Et moi aussi. J'ai un autre problème à régler, Tony. Ça fait longtemps que les Avengers n'ont pas été réunis. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai un problème, Tony. Zemo s'est évadé. Désolé, T'Challa, mais on a un gros problème. C'est pire que ça. Thanos revient. Mais ça va, il est tout seul. On va se le faire. Mais Thanos... Je sais pas s'il a les pierres. Mais on les a remis à leur place. Thanos. Je vais faire une joie de l'exterminer. C'est qui ça, Thanos, Tony? Désolé. Mais je vais vous raconter. C'est un mec qui a pris des pouvoirs et qui a pris des pierres. Et ils ont des pouvoirs différents. Il y a 6 pierres en tout. La pierre de l'espace, la pierre de réalité, la pierre de vision, mais voilà. La pierre du temps. Et la dernière, pierre violette. Je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, s'il rassemble toutes ces pierres, il pourrait éliminer toute la moitié de la population avec un simple claquement de doigts. Et en plus, là, grâce à nos coéquipiers, les habitants de Fortnite, nous sommes débarrassés de Thanos, mais il a repris sa revanche en fait. J'étais avec Captain, Widow, Hawkeye et Thor. Et voilà, on a donné des équipements à nous, à des personnes. Ils se sont occupés de lui. Ces mots attendra. Mais j'ai envoyé mes Thoramis à sa poursuite. Mais c'est impossible que c'est le loup blanc qui l'a libéré. Parce que le loup blanc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Depuis qu'on l'a libéré du soldat de l'hiver. Voilà. Mais c'est impossible. À moins qu'il veut prendre une vengeance sur lui. Mais je pense pas que c'est lui. J'ai réussi à contacter que vous. Les autres étaient occupés. Sam. Je sais pas ce qu'il fait. Bucky. Je ne sais pas non plus. Hulk. J'en sais rien. Et Hawkeye, pareil. Et Widow aussi. Et moi, j'ai un gros problème. Mon frère, il s'est évadé. Ce gredin de Loki. Il m'énerve, Loki. En plein temps, il va prendre sa vengeance sur Odin. Après ce qu'il lui a fait. Oui. Je suis désolé pour toi, Thor. Il faut qu'on s'occupe d'abord de Thanos. Alerte rouge. Alerte rouge.
Oh merde, il y a une alerte en aiguë. Vite, on va voir sur le PC. Voyons voir. Thor, je crois que tu avais raison. Loki arrive. Oh putain, non, c'est pas possible. Maintenant Thanos et lui. J'espère qu'ils vont pas se croiser, parce que sinon, c'est la merde. Bon, maintenant, assez parlé. Il est temps qu'on aille sur Terre. Ou plutôt, sur l'île de Fortnite, Carole. Ah, c'est bon, T'Challa. C'est bon. J'aime pas qu'on m'appelle par mon prénom. Et aussi, je suis désolé pour ton père de ce que Zemo t'a fait. Bon, assez parlé. Thor, conduis-nous sur la Terre avec ton marteau. D'accord, allez, on y va.